Dès les premières heures du matin de ce vendredi, les taximens montants ont assiégé la résidence du maire de la ville au quartier Kassabignolé. Munis de feu sur leurs motos et en klaxonnant, ils ont été dispersés par des éléments FARDC qui tiraient en l'air en attendant que la police soit déployée sur place quelques minutes après. Les manifestants paralysaient la ville à barricader les artères principales par leurs motos. Alors qu'ils tentaient d'assiéger aussi la mairie de Béni, ils ont été dispersés par les forces de l'ordre. Ce mouvement a progressé jusqu'au marché de Mayangossé, paralysant ainsi les activités économiques sur l'ensemble du marché de Kilokba et sur le boulevard Nyamwissi. Ces manifestants jugent d'inopportun le moment de recouvrement des plaques d'immatriculation vu l'important mouvement des déplacés venus des zones insécurisées. Ils exhortent aux autorités de rétablir la paix à Béni avant d'entreprendre toute initiative en défaveur de la population civile. Ils veulent nous imposer les plaques alors que le moment ne nous permet pas. Nous sommes victimes de tueries. Les déplacés de Mutuanga qui passent nuit à la Belle Étoile, vous leur demandez de payer des taxes. Qu'ils rétablissent d'abord la paix, ensuite même s'ils fixeront le prix de la plaque à 100 dollars, nous paierons toujours. Nous disons fais-moi la paix, je paye la taxe. Nous ne pouvons pas payer dans ce contexte. La paix d'abord. Je suis venu de Boulongo, sans frais de location, sans moyens pour l'alimentation, la moto avec laquelle je me débrouille, ils me demandent de payer la taxe, qu'est-ce qu'ils veulent de moi? Celui qui pleure ne peut pas payer toutes ces taxes. Même si le prix diminue à 5 dollars, nous ne sommes pas prêts à payer. Qu'ils attendent d'abord au lieu de payer et qu'on ne trouve pas de rétrocession. C'est depuis une semaine que le gouvernement provincial du Nord Kivu a annoncé la traque de tous les détenteurs des motos sans plaque d'immatriculation qui s'achètent à 25 dollars américains. Alors que les autorités évoquent des réseaux sécuritaires, cette décision a été jugée d'impopulaire dans l'opinion publique.